Bonjour à tous et bienvenue. Le thème d'aujourd'hui est la canicule, quatre moyens magiques pour rafraîchir sa chambre. Comme c'est la canicule, le mercure ne laisse pas de répit. La forte chaleur s'invite même dans le lit au point où il est presque impossible de s'endormir. Découvrez des moyens magiques pour refroidir sa chambre sans climatisation durant la saison estivale. Durant la canicule, fermez les fenêtres pendant la journée. Les astuces efficaces pour faire face à la canicule sans climatisation font la une de l'actualité sur l'immobilier en ce moment. Pour cela, même s'il fait beau, il est recommandé de fermer les fenêtres et tirer les rideaux des chambres durant la journée. Ainsi, ces pièces ne se réchaufferont pas le jour. Puis, une fois la tombée de la nuit, les premières mentionnées peuvent être ouvertes pour laisser rentrer l'air frais. Comment rafraîchir sa chambre en période de forte chaleur? Il existe de nombreux moyens magiques et sans climatisation qui permettent de refroidir la chambre pendant la canicule. De ce fait, l'utilisation d'un système de ventilation est une bonne option. Pour apporter un vent plus froid à cette pièce, il est conseillé de faire tourner les palmes du ventilateur dans le sens contraire des aiguilles de la montre. De plus, pour s'assurer que cet appareil pousse de l'air froid, en cas de forte chaleur, il est conseillé de mettre un grand bol rempli de glace devant le ventilateur. Cela donnera aussi une impression d'humidité pendant la canicule. L'un des moyens magiques pour bien dormir en cas de canicule est le bon choix de la literie. La plus légère permet de préserver la fraîcheur du matelas. Ainsi, cela aide à prévenir l'insomnie malgré la canicule. De plus, les matelas produits à base d'une mousse hybride visco-élastique ventilée sont à avantager. De ce fait, ces derniers sont efficaces pour réduire la température de ces matériels de lit. Ils sont excellents pour se coucher confortablement. Utilisez une bouillotte froide durant la canicule. Une autre idée efficace pour faire face à la canicule est de mettre des bouillottes froides dans le lit. Ces dernières peuvent être mises sous le drap ou l'oreiller. Ainsi, ils donneront une sensation de fraîcheur en se couchant. C'est tout pour moi aujourd'hui et restez connectés pour retrouver de nombreuses actus de ce genre. Je vous dis à très bientôt.